Aujourd'hui les amis, nouvel homme, nouveau Lined. Car aujourd'hui je vais acheter la lame des ténèbres. Et vous allez voir qu'elle est totalement incroyable. Donc tu sais quoi, tu t'abonnes, tu likes, c'est y part. Qu'est-ce qu'il a lui là? Tu veux que je t'aide? Bon c'est pas grave, en tout cas les mecs c'est simple. Avant de commencer à acheter le bail, on va simplement se rendre ici et on va voir ce qu'il me propose. Ah mais il en a pas directement. Ah oui, à l'arnaque. Ah oui, ah mais moi je pensais que j'allais avoir un petit fruit, que j'allais pouvoir payer 40 000 balles ou je sais pas quoi et avoir mon fruit. Mais malheureusement, que nenni. Oh c'est quoi? Ah non mais c'est nul ça. C'est quoi? Fruit de flamme. Bon comme vous le voyez, le fruit de flamme, 550, je n'en veux guère. Bon du coup les mecs ça va être simple, je vais me rendre dans la boutique. On va descendre un petit peu en bas et on va commencer à acheter la lame des ténèbres. J'en ai rien à faire, acheter, c'est parti. Bon ça fait mal au cœur, mais je dois l'acheter, je dois l'avoir. C'est Tipar. Oula, on se calme mon frérot, on se calme. Parce que regarde-moi ça, on se calme. Sinon je te mets des coups d'épée. Oh là là. Bon, oula. Ah oui, quoi? Il me l'a volé le chien. Il me l'a volé. J'ai même pas eu les maîtrises. Bon les mecs c'est pas grave, en tout cas je possède la Dark Blade. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce métal scintillant, ce métal avec des petites gravures. C'est magnifique, c'est beau. Donc les mecs, on est d'accord que logiquement, je peux me transformer en genre de Bouddha. Et là, je peux frapper, ce qui m'aide. Ce qui fait mal. Ah oui, il fait super mal. Mais moi, j'ai envie de voir un truc. J'ai envie de voir si potentiellement, je peux mettre des sacrés dégâts. Parce que là, c'est bien cool. Mais moi, je veux voir si je me transforme. Regarde, je me transforme comme ceci. Bon, toi, tu me tues pas. Hein. Voilà, attends. Non mais oh, on se calme. Je veux simplement tuer des bouxères. Oh, et regardez-moi ça, nouvel item. Bon après, ce qui est bien, c'est qu'elle a. Attends, 1000 tranchants, c'est quoi? Ah ouais. Ah mais oui, cette épée-là, logiquement, je peux la faire passer en x2 et tout. Est-ce que je peux les tenir à distance? Oula, je fais pas super mal, là. Ah mais normal. En fait, les mecs, je fais pas mal parce que regardez-moi ça. J'ai simplement 2 points dans les épées. Donc vous savez quoi? Qui dit nouvel homme dit stat reset. Donc vous savez quoi? Je vais chercher un petit code parce que là, malheureusement, ça va être compliqué sinon. Hein. Bon, du coup, est-ce que ce petit code, il fonctionne? Et voilà. Donc là, maintenant, je vais dans les stats et boobabanks. Je possède un genre de refund, donc on va refund et voilà. Donc là, je suis niveau 1. Donc là, je peux mettre des torgnoles. Je fais absolument 0 dégâts. Donc c'est vraiment pas cool. Je suis vraiment pas en train de m'amuser. Mais là, regardez-moi ça à gauche. 99 plus. Oh lolololololo. Donc, vous savez quoi? Boum. On va commencer à mettre du 100%. Donc là, ça veut dire que dès que je fais un clic, boum, 100%. Oh là là. Est-ce que je mettrai pas 1000? Vous savez quoi? On met 1000. Et là, maintenant. Oh, je suis bête. Oh, je suis bête. Oh, oh la boulette. Oh la boulette. Oh la boulette. Oh le cerveau. Oh le cerveau. Oh le cerveau. Oh, j'en ai marre. Je vais mettre tous mes points dans le sprint. Ah les mecs, c'est pas grave parce que regardez-moi ça. Oh, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. Bon, c'est pas grave. Logiquement, épée et voilà. Oh, je suis vraiment bête. Oh, j'ai un cerveau. Et là, maintenant, je mets ça, on va dire, comme ceci. Oh là là, le cerveau que je possède. Oh, c'est super grave. Oh, j'ai un cerveau, frère. C'est un choupa choups. Je regarde toutes tes vidéos. Bah, merci, mon gars. En tout cas, voilà. Bon, ça fait pas mal. C'est pas grave. Bon, du coup, est-ce que maintenant, elle fait des dégâts? Est-ce que maintenant, j'ai des dégâts surpuissants? Oh, tu me voles pas les. Oh, toi, mon gars. Tu me voles pas mes mobs. C'est les miens. Alors toi, je vais te mettre des torgnoles, hein. C'est mes mobs, hein. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, est-ce que je peux faire mal, là? Ou puis je me dirige, hey. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, là? Je te suis depuis 2 ans. Eh ben, merci beaucoup. C'est super cool. Voilà. Bon, c'est bien cool, ceci. C'est bien cool d'être soutenu par un pirate, mais bon. Il va falloir quand même qu'on apprenne à faire des choses, là, hein. Il va falloir qu'on prenne une petite mission. Oh, vous savez quoi? Attendez. On va voir si maintenant c'est puissant. Mais attendez, les mecs. Vu que maintenant, j'ai plus beaucoup de points dans mes, dans mon box fruit. Est-ce que le fruit du Bouddha, quand je suis comme ça, il fait encore super mal? Ça, c'est une bonne question, ça. Oh, il est vraiment énervé, lui, hein. Il est vraiment en mode colère, hein. Allez, hop, là, on prend les riders. Et c'est parti. Bon, logiquement, maintenant, ça va être super simple de farmer. Oh, et aussi, maintenant, je vais pouvoir prendre le fruit du Bouddha. Et attends, et si je frappe avec? Oh là là. Oh là là. Oh les dégâts. Oh les dégâts. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh la maîtrise. Oh la maîtrise. Oh la maîtrise. Niveau 49. Attends, est-ce que ça fait mal? Oh là là. Oh là là. Oh les torgnoles. Oh les torgnoles. Je suis bientôt niveau 50. J'ai bientôt le level max. Oh là là. Oh c'est beau. Oh je suis en train de redécouvrir un truc. Je suis en train de découvrir un truc. Oh là je suis énervé là. 55. Donc maintenant les mecs, je viens de débloquer le tranchant des ténèbres. Ça fait quoi? Boum. Ah bah je l'ai loupé parce que mon aim elle est un petit peu bancale. Oh là là, les dégâts que je mets, c'est terrible, hein. Oh je mets de ces torgnoles. En plus les mecs, dites-moi en commentaire. Mais logiquement, je peux l'avoir niveau 2 et niveau 3 si je dis pas de bêtises, non? Je l'ai pas simplement niveau 2. Oh on se calme. Oh. Bon par contre les mecs, dites-moi pourquoi dans cette zone, tout le monde a le fruit du Bouddha. Tout le monde a ce fruit là, frère. On a tous le même fruit. Oh et attendez. Est-ce que si je farm, on va dire, la Dark Blade de ce niveau-là, est-ce que quand je l'aurai au niveau 2, j'aurai plus de pouvoir? Ça, c'est des questions que je me pose, ça, hein. Mais déjà, il faut que je vois. Parce que là, je pense qu'on va tenter d'augmenter le fruit du Bouddha un petit peu aussi, là. Parce que bon, je veux l'explosion du Bouddha. Je vous mens pas que l'explosion du Bouddha, elle me fait un peu l'œil. Et bon, niveau 250, bordel, hein. Elle va falloir sacrément farmer, les mecs, hein. Et c'est pas en restant avec eux que, bon, je vais gagner grand-chose, hein. Parce que regardez-moi ça, j'ai beau faire des impacts. Malheureusement, regardez-moi ça. Ça va pas leur mettre beaucoup de torgnoles, hein. À voir, et boum. Ah, mais c'est vraiment nul. Ah ouais, non, mais là, farmer le fruit, ça va être une abomination. Ça va être terrible, hein. Vous savez quoi, je vais leur demander. Guidez-moi pour avoir la Darkblade V2. Je veux qu'il me guide. Je veux qu'il m'aide. Allez, est-ce qu'il va m'aider, lui, là? Allez, ok, hop là, allez, hop là. C'est bon, j'ai mon sergent.
Il va m'aider. Attends, je vais lui dire. Je te suis. Comme ça, voilà. Il sait que là, il est en train de me guider là. Oh là 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 là. Je suis pris main dans la main. Main dans la main avec mes abonnés. On va conquérir le monde. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Bon, j'espère que c'est un vrai pirate. Hein. J'espère qu'il est plus fort que moi. Parce que sinon, bon, suivre quelqu'un qui est moins fort que moi, ça va être chaud. Hein, parce que bon, vu mon niveau. De toute façon, vous l'avez vu, hein. Bon, quand j'ai reset mes points, malheureusement. J'ai tout mis dans le Blossfruit. Allez, on y va. Mais qu'est-ce qu'il attend là? Ajoutez-moi, il faut aller en C1. Il est malin. Il est malin. Il est malin. Il est super malin. Bon, je vais l'ajouter. Je sais même pas c'est quoi le rapport. Ok, c'est bon. Comment on va en C1? Moi, je sais pas comment aller en C1, moi. Ouh là là, je sens que son truc d'ajouter moi là, c'est un peu bancal ça. Hein. Je suis fait scroquer là. C'est ici? Ah si, Captain. Ok, logiquement, ok, c'est bon, je peux y aller. Ah là, hop là, c'est parti les mecs. Ah. Bon, logiquement, eux à la bombastique. Bon, du coup, je dois aller où là? Bon, logiquement, les mecs, si je dis pas de bêtises, je dois me rendre à Middletown. Mais, et bah, je crois que c'est simplement bah devant moi. Bon, après, le souci, c'est que là, je n'ai pas un fruit qui me permet de voler, de nager et tout. Donc, vraiment, je vous le dis. Ça commence un petit peu à me saouler les cacahuètes. Parce que logiquement, si je dis pas de bêtises, la Dark Blade va me permettre d'ouvrir pas mal de portes. En gros, je vais pouvoir mettre, on va dire, des torgnoles dans les murs pour ouvrir les portes. Et voilà, me voilà. Logiquement, je crois que c'est ici. Je dois parler à l'un des deux. Donc peut-être à lui, là, je crois. Parce qu'en fait, il faut que je commence la mission. Respect me well, ok, vas-y. Allez, donne-moi la mission, là. Arrête de me parler. Par pitié, là, c'est bon, là. Je commence à être à bout, là. Maintenant, je dois me diriger à l'île de la neige. J'ai l'impression de faire un tuto, là. Je suis vraiment devenu quelqu'un de fort. Hein. Donc le bateau, hop là, tu reviens. Joe, allez, c'est y part. Bon, l'île de la neige, où es-tu? C'est ça le problème. Je sais pas où elle est. Et ben voilà, c'est pas trop tôt, hein. Bon, logiquement, ici, je dois parler vers une niche qui se trouve vers là-bas, là. Si je dis pas de bêtises. Oula, il y a des bouxers. Bon, là, ce qui est cool, c'est que vu que je fais partie de la seconde île, enfin, plutôt du second monde, maintenant, je suis un privilégié, maintenant. Du coup, allez, hop là, c'est parti, on lui parle. Je sais pas, oula, je sais pas ce que j'ai à faire, mais on va lui parler. Je vais lui dire absolument tout, je sais pas. Maintenant, c'est simple, je dois simplement ouvrir. Est-ce que eux, je leur fais mal? Bon, je peux pas le frapper, c'est pas grave. Bon, je crois que c'est vers là, si je dis pas de bêtises. Ah, voilà, non, mais là, il y a une porte. Là, elle se voit. Et là, boum! Oh là 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 là, c'est beau. Oh, c'est beau, oh, c'est magnifique, oh, c'est magnifique. Bon, je récupère des lettres, ok, pour maître. Ok, bah, c'est moi le maître, donc merci beaucoup, lol, allez, lol, hop là, on s'amuse, on rigole. Bon, je pense que je l'ai récupéré, hein, veut pas se récupérer, mais je pense que c'est bon. Oui, voilà, voilà. Voilà, quand même, je suis un pirate quand même légendaire. Voilà, on m'ouvre. Hein. Maintenant, les mecs, si je dis pas de bêtises, je dois me diriger exactement là-bas, dans l'endroit des nuages. Et nous y voici, nous y voilà. On pose le bateau. J'espère que personne n'a le chourave. Et maintenant, je dois monter tout en haut où je peux mettre mon spawn point. Donc, c'est y part. Voilà, donc logiquement, c'est vers ici. Je dois rentrer comme ça. Oula, je sais pas c'est où. Hein. Ah oui, il va falloir que je trouve peut-être. Mais si, regardez-moi ça. Mais ouais, je suis mais bien sûr, il y a une porte derrière. Allez hop là, on ramasse la seconde lettre. Et voilà, avant-dernière destination. Parce qu'après les mecs on va devoir se re-rendre à Middletown. Donc voilà, logiquement c'est par là-bas que je dois aller. Et je dois encore casser une porte. Bon là après le problème c'est que maintenant il y aura un genre de petit labyrinthe. Mais logiquement je devrais le faire. Est-ce que je vais voir le trou là? Ah je crois on le voit là hein. En vrai c'est cramé quand même hein. Voilà il est ici là. Vous le voyez là je pense là c'est ça. Et bam et voilà. Oh what, ça a changé ici? Quoi? Bah attends, mais c'est nouveau ou que les petits là? Attendez, je peux casser ou pas? Oh là là, magnifique. Donc là maintenant, c'est un genre de petit labyrinthe. Donc attendez, est-ce que si j'appuie sur X, je peux casser? Ah bah non, c'est simplement les 1000 tranchants qui cassent. C'est vraiment cool qu'il y ait ça en vrai, hein. C'est vraiment une bonne histoire. Moi j'aime bien, je trouve ça vraiment plaisant et cool. Oh, je suis où là? Quoi? Je suis enfermé? What? Ah, mais ça se re. Ah, mais oui, mais ça se reconstruit, bordel. Malin le lynx. Allez hop là, moi tu me casses ça, voilà. Moi il faut que je trouve l'endroit là. Bon, je pense qu'on va tout péter pour voilà, hein, parce que le problème c'est que ça se referme derrière nous. Donc bon, on a connu mieux, on a connu bien plus immersif. Ah, je crois que c'est là-bas derrière. Ouh là là, est-ce que je peux le voir? Ah, je peux pas le voir. Oh là, je suis pressé. Allez, tu pètes maintenant, boum. Et voilà, la nouvelle lettre. Allez hop là, on va la lire, c'est bon. Lol. Comment ça, lol? Prends pour qui, chacal? Donc là, maintenant, je peux simplement cliquer sur la base. Bon, ça m'a TP ici, c'est un peu chiant, mais bon. Oh bah tiens, la Bougno. C'est lui? Bon, je sais pas si c'est lui, mais je crois. Allez, bot dealer, allez hop là, donne-moi un petit sloop. Voilà, un petit bateau, trop cher. Bon, maintenant, je dois simplement me rendre ici et je dois. Hop hop, on se calme. Oh mon dieu, mais il est malade. Mais ouais, je déblaye. Non. Oh mon dieu. Oh, je me fais courser. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non, je rigole. Non. Eh, t'es pas drôle, toi, hein. Kurama, t'es pas drôle. Bordel. Voilà, avec quoi je dois me retrouver maintenant. J'espère qu'il est fier. Non, bon, lui, c'est bon. Il faudrait doser, t'es pas drôle, toi, hein. Je l'ai eu, bah super. Palmarès. Sacré palmarès que tu as, toi, hein. Palmarès, j'ai tué un frère. Et t'es fier. Bon, le problème, c'est que la Bougno là-bas, il pense me donner le savoir-faire pour avoir la Dark Blade. Sauf que, bon, je sais pas s'il se doute que je suis quand même fort. Donc, en fait, bon, voilà, quoi, je sais le faire, hein. Pas besoin d'aide, moi. Hein. Ah là là. Et là, maintenant, je lui parle. Et là, vous êtes prêts, les mecs. Je dis, allez, hop là. Oh, Oh lolo. Ziong, je sais vraiment pas où je vais là. Quoi? Je l'ai pas? Comment se fait-ce? Attendez les mecs, est-ce que c'est la V2 que j'ai là? Parce qu'elle fait des attaques de ouf là maintenant, je sais pas. L'île des nuages, mais...
Non mais frérot, j'ai déjà fait, non? Oh, vous savez quoi, je vais les re-suivre là, je sais pas ce qui se passe moi. Eh, vous savez quoi les mecs, c'est pas grave. Je sais pas si j'ai la V1 ou la V2. Bon, si j'ai pas la V2, vous savez quoi, prochain épisode, je vais tenter de la level up. Donnez-moi plein de conseils. Ciao les mecs. C'est Lined et Shawen. Tu t'abonnes et tu likes, donc partage à tous tes potes, ou bien même à ta daronne. C'est Lined et Shawen. C'est Lined et Shawen. Tu t'abonnes et tu likes, sinon je te mets une steak.